J'ai du nouveau Roy en pension de massage et là je l'ai pris donc dans la maison et je travaille sur le fait qu'il ne gueule pas après le chat, donc Faro, parce qu'il était dans la voiture, là, il voyait le chat dehors, il était dans la caisse dans la voiture et il était infernal. On a Blue qui est dans une autre caisse dans la voiture aussi, là c'était juste pas possible. Voilà, donc là je l'ai pris avec moi dans la maison, je vais vous montrer, Faro est dehors. Là pour l'instant là, il n'a absolument pas gueulé dessus. Je vais maintenant vous montrer où sont les deux protagonistes. Juste dehors à gauche, vous avez Faro, mon chat. Faro est juste là et vous allez voir que Roy est vraiment pas loin. Et il ne dit rien. Pourquoi ? Parce que c'est un chien qui a besoin d'être géré par un humain. Il a besoin de sentir en fait que quelqu'un est là pour lui, est là pour diriger et est là pour le protéger. Tu laisses. Laisse. Loup. Tu laisses. Très bien. Ça c'est bien, Roy. Super. Oui, c'est bien. Ça c'est très bien. C'est bien, bonhomme. Pas bouger, tu laisses. C'est bien. C'est bien, Roy. Super. Ça, c'est bien. Allez, on marche. Stop, Roy. C'est bien, couillon. Ouais, ça, c'est bien. Tu laisses. Tu laisses. Oh, très bien. Ça, c'est bien. Super. C'est bien, Roy. Chouchou. Ouais, ça, c'est bien. Ouais, ça, c'est bien. Super. Ouais. C'est bien, ça. Et je te parle. Très bien. Pas bouger. Pas bouger. Non. Pas bouger. Très bien. La voiture se gare. Le chien descend. Là, il ne dit rien. Il est plus fixé sur Blue. Il est partagé quand même entre les deux. Et voilà. Ça fait trop de choses à gérer pour lui. Du coup, il a réagi. Là, je l'ai recadré. Donc, il se comporte mieux. Il n'a rien dit pendant une bonne partie de la situation. Donc, j'étais plutôt contente. Le cours avec Blue et Morito qui a plutôt mal commencé. Ah! Allez, fini les réactions. Je l'ai repris en main. Et à partir de ce moment-là, tout s'est mieux passé. Il a quand même pas mal regardé à droite, à gauche. Il n'était pas hyper à l'aise. Mais le fait que je sois là et que je lui donne des directives, ça se passait quand même beaucoup mieux. Voilà, donc c'est une journée avec Roy en pension éducative. Il y avait encore énormément de travail sur ce chien, donc j'ai eu encore 2 fois en pension.